Vous avez vu le gynéco ? Faut prendre la pilule si vous n'en voulez plus. Mon mari, il veut pas. Comment ça me fait chier, celui-là, hein ? Ça va pas, ça. On est en France, au 21e siècle. C'est une fille simple. Courageuse, intelligente, sympathique. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus. Je te fais confiance pour la convaincre. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Il a besoin de jeunes femmes comme toi, comme Agnès. Ce sont les femmes qui changeront le monde. C'est super. Alors moi, j'hésiterai pas une seconde. Tu veux que je fasse comment ? Entre le boulot, les gosses, mon père, je serai toujours ta fille. Mais moi, je serai jamais le père d'une fasciste. Règle numéro 1. Quand une porte s'ouvre, vous souriez. La bataille se livre aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. On doit être omniprésent. Arpenter chaque rue, chaque ruelle, chaque quartier. Bonsoir. C'est moi qui vais vous cornaquer. Et puisqu'on est en train de parler du shooting, ce serait peut-être bien de t'éclaircir un peu. Qu'est-ce que tu fous avec ces gens-là, putain ? C'est nous, moi, Nathalie, la moitié de mes patients, peut-être plus. C'est le peuple. T'es une tête de gondole, ma pauvre fille. Tu fais quoi, là ? Dégage ! Retourne chez toi ! T'as rien à faire ici ! Les valeurs de la France ne sont pas celles de l'islam. C'est pourquoi elle nous verra toujours debout et en combat pour que la République ne se transforme jamais en califat ! Quand elle parle de religion, c'est toujours de l'islam. Je vous comprends pas depuis le temps qu'on se connaît, vous savez bien que je suis pas raciste. Faudrait qu'on s'excuse pour tous les terroristes du monde et qu'on baisse les yeux ?